Bienvenue sur la Toile. Nous sommes Célie et Naila. Nous sommes ici en direct à Stavelot, car l'étrange a envahi la ville. En effet, la cité de Stavelot, celle des Blancs aussi, subit des intempéries. Depuis quelques jours, des pluies de confettis s'abattent sur la ville. Allons rejoindre Flora et Héloïse sur la place Saint-Remacle, où ce phénomène exceptionnel a été observé. Nous voici sur la place Saint-Remacle. Comme vous pouvez le constater, il pleut des confettis. Nous sommes en présence du professeur Alexandre. Nous espérons qu'il pourra nous donner des explications. Dans ces conditions, c'est vraiment difficile. Venez voir les découvertes de mon équipe au labo. Nos découvertes nous montrent que les confettis proviennent d'Italie. C'était en fait de petites dragées colorées qui, pour plusieurs raisons, se sont transformées en petits morceaux de papier tout aussi colorés. Ici, à Stavelot, nous avons découvert que tout jet est accompagné d'un drôle de grognement. Il ne nous reste plus qu'à nous laisser guider par l'oreille. Mais où avez-vous trouvé ça? C'est par là, c'est par là. C'est par là. Voilà donc la cause de ce drôle de phénomène. Une machine à confettis, je comprends maintenant. Allons visiter cette étrange machine, n'est-ce pas Clara et Thomas? Nous sommes à la fabrique de confettis de Stavelot. Monsieur Cause, pourquoi y a-t-il une fabrique de confettis à Stavelot? Une fabrique de confettis à Stavelot, c'est grâce aux Blancs aussi. Vu la consommation de confettis des Blancs aussi, il y a quelques Blancs aussi qui ont préféré créer une machine pour fabriquer les confettis par souci d'économie. Comment fonctionne cette étrange machine? En fait, c'est une ancienne presse. Et nous avons ici un chargeur de 20 bobines. Il y a 20 feuilles de papier qui passent dans une matrice qui perfore le papier. Quelle quantité de confettis produisez-vous? Par année, nous produisons plus ou moins 10 tonnes. Ouf-ti, c'est beaucoup! Maintenant, à nous de jouer! Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassesatellite.be.